Québec. Et lorsque l'on regarde donc les statistiques historiques, ben, la perte d'emploi la plus importante, le record précédent, c'était 125 000 pertes d'emploi au Canada en janvier 2009. On est rendu à 1 million. Hein, 1 million pour le mois de mars, c'est énorme. Il y a aussi des travailleurs qui ont perdu des heures. Plus de 50% de leurs heures de travail ou encore qui ne travaillent plus, mais qui sont en lien d'emploi. Il y en a plus de 2 millions par rapport au mois précédent. On fracasse le record du verglas de 1998. Et il y a plus de 5 millions de demandes à la prestation canadienne d'urgence au moment où on se parle, et ce depuis le 15 mars. Dans ce contexte, Pierre, les banquiers veulent se faire rassurants. C'est notamment le cas de Nadine Renaud-Tinker, qui est présidente pour le Québec de la RBC. Elle soutient que les banquiers, les banques, les institutions financières seront là pour aider les Québécois et les Canadiens qui sont dans le besoin. Et je me suis entretenu avec elle.